I have a lot of concepts, as you can tell, but I think it helps us to be able to be creative then. And there's kind of like a, I guess I like to use this analogy, that using cover crops, a lot of times it's not like finding the last missing puzzle piece. You know, when you have a puzzle, it's not complete. There's one spot open. It's not like saying, oh, that's a cover crop. It's more about rearranging the picture. Mm-mm. You got to rearrange the picture. Some of what he was saying is that the concept. You understand my analogy? Yeah. Okay. Ce qui veut dire, c'est que dans la façon dont on pense aux couverts végétaux, c'est pas qu'on ait un système. C'est un peu comme quand on fait un puzzle, hein, on met toutes les pièces et puis voilà, il manque un petit morceau. Alors voilà, on essaye de trouver le bout qui va, voilà, qui va remplir le dernier trou. Et que dans la façon dont on pense aux couverts végétaux, c'est pas une réflexion comme ça de se dire bon ben voilà, qu'est-ce que je vais mettre là en bouche-trou quoi. Mais que pour vraiment intégrer bien les couverts végétaux, il faut remanier l'image du puzzle. C'est pas voilà, on va les mettre là. Il faut vraiment remanier la façon dont on pense à son itinéraire culturel pour la culture de vente, de façon à ce que le couvert ait sa juste place, sa place judicieuse dans le dans la rotation. Je sais pas si j'ai voilà, j'essaie de traduire l'analogie qui la présente. Now yesterday I talked about there seems to be an advantage of planting tillage radish for a cover crop and then planting spinach. Spinach for some reason likes to be planted. It does well. It germinates well, grows well after tillage radish. Are there any other examples that you have experienced like that, that you see a good synergy between, I'll just say in this case, a cover crop and a cash crop, like a sequential. Is there any other examples that you've maybe noticed or that you like to use on that from that perspective? Hier, en conférence, il a présenté l'exemple de la culture d'épinards sur un précédent de radis chinois en couvert. Et en fait, de façon un peu aléatoire, hein, avec des expérimentations qu'ils ont faites, ils se sont rendus compte que l'épinard adore le précédent radis et qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans la biochimie du sol qui favorise en fait la germination et le taux de germination des épinards. Et donc, c'est une très, très belle culture avec un précédent radis. Et ils demandent là à l'auditoire si voilà, vous avez découvert un truc un peu comme ça voilà, qui vous est arrivé de façon un peu aléatoire et qui est une bonne combinaison d'une culture et d'un couvert avec une synergie peut-être que vous auriez pu observer dans vos expériences. Sarrasin chou. Buckwheat cabbage. Okay. Anything else? One of the things that, and this is related to this, is mixing the cover crops. We've talked about that. And I'll just tell you from a worldwide perspective, that's the direction of cover cropping. Mixing species, mixing plants. That is the direction that I see worldwide. Il voit vraiment dans son travail avec les agriculteurs dans plein de pays que il y a une forte tendance à évoluer des monocouverts vers des combinaisons de couverts, quoi, et vraiment de les utiliser en mix. And it's the nice thing about, you know, we have our cash crops and we have our cover crops, and sometimes in our cash crops we can only plant one species, but with our cover crops we can plant up to 12, 5, 3, just 2. But we have that opportunity to maximize the rotation effect or the diversity effect. And you don't have to do 12, but... Pour revenir à ce qu'il disait plus tôt dans la matinée, bah, le sol ne se rend pas compte, en fait, si c'est une racine de couvert végétal ou une racine de culture. Hein. Mais l'avantage avec les couverts végétaux, c'est qu'on peut introduire tout d'un coup vachement de diversité. Parce que les productions légumières, c'est difficile de faire pousser 12 trucs à la fois sur une même planche. Alors qu'avec les couverts végétaux et justement avec les mix, on peut introduire une diversité fabuleuse, 2, 3 jusqu'à 12 variétés différentes. Et du coup, le sol, là, il est voilà, nourri voilà, et de plein de façons différentes. Il se passe beaucoup, beaucoup de choses dans le sol qu'on ne pourrait pas faire avec des cultures légumières. Ça ne serait pas possible. Donc, il faut vraiment profiter de ces fenêtres de couverts végétaux pour introduire beaucoup de diversité. So, I want to show you a few pictures here to demonstrate
maybe that effect of multiple species, but also the effect of cover crops. Now, this is with field corn. It's easy to measure, but I want to show you, we planted straight. You can just list those right there. Ouais. Alors là, il va montrer. Donc ça, c'est une étude that was done with Maryland or no, this is me. By yourself. This okay. is mine. Bon, yeah. C'est une des petites expérimentations qu'il s'est concocté lui-même. Et là, il utilise comme plante de culture le maïs parce que le maïs est très sensible au taux d'azote et voilà, on peut vraiment voir des effets assez clairs sur l'effet qu'a eu le couvert végétal précédent. Et donc là, il a fait donc des bandes d'essai de couverts végétaux, hein, sur lesquels après vient son maïs. Et en bande d'essai, il a du trèfle incarnat, de la veste velue, une bande avec rien du tout, hein, sa bande témoin, sans couvert végétal. Après, un mélange de veste velue, de pois d'hiver et de trèfle incarnat. Ensuite, du trèfle souterrain et de la veste velue, des pois d'hiver, et ensuite, yellow blossom sweet clover. C'est pas du... It looks like alfalfa. Ouais, ok. Almost... Ouais, ça ressemble à... It's another clover. Ah oui, oui. Yeah. Ça ressemble à de la luzerne, il dit, et de la veste velue. Then I'm doing an experiment here, and this is not an organic situation, but I'm spreading some fertilizer at different rates, nitrogen fertilizer at different rates, coming across the plots. Et ensuite, il conduit son tracteur de façon transversale, et il va rajouter différentes quantités d'azote, un peu comme on avait vu dans cette diapo là plus tôt, quoi. And this year, we started getting very dry in the month of June. Et c'est une année, où il n'a pas beaucoup plu au mois de juin, donc c'était des conditions particulièrement sèches en juin quand ils ont fait cette expérience. And the corn started curling up because it was dry. Vous voyez le maïs qui se recroquevillait un petit peu par la sécheresse. Hein. So you can see this four the four rows here that look a little more gray. They're a little drier over through here than here with the cover crop. There's no cover crop. This is cover crop. Et donc voilà, à droite, à l'endroit qui n'avait pas de couvert végétaux, on voit le maïs à un feuillage un peu plus gris, un peu plus recroquevillé par rapport aux bandes qui sont en bas à gauche où là il y avait un précédent de couvert. That I want to show you why it's important every year to have a cover crop. But if you have cover crops and reduce tillage over time, your soil gets better and better and better. But you still you can't stop using cover crops. Hmm. I think that's what you're asking. Ouais. But I'm just. Ouais. Et que là, au travers de ce qu'il va démontrer, il espère vous convaincre que, bah, évidemment, le sol s'améliore, se modifie au fur et à mesure que des années où vous travaillez pas le sol et où vous ajoutez des couverts végétaux, mais que voilà, après, on peut plus s'arrêter dans ce processus parce qu'évidemment, quand on s'arrête. But see, here is an example of this year, no cover crop. The temperature in the ground, since the corn wasn't very tall yet, it was an early heat wave, early, it was very hot. What's 130? C'est 37.5, voilà, 38. Hein. Au sol, This is the cover crop here, 88, 100 degrees soil. 100 degrees, no cover, cover crop, lower. Donc en fait ça, c'est voilà, donc 38 degrés au sol où il n'y a pas de couvert végétaux, et là c'est beaucoup plus bas, ça doit être, je sais pas, moins 32 divisé par 9 multiplié par 5, voilà, so Fahrenheit Celsius, hein. Je sais pas, 88 c'est 25 degrés. But not only was the temperature cooler, there was more moisture that was retained here, because it didn't evaporate. Voilà, et non seulement il y avait un effet quand même assez remarquable sur la température au sol, mais aussi l'humidité du sol, la fraîcheur du sol. Là, on trouve encore de la fraîcheur dans le sol, sous le couvert. Alors que quand il n'y a pas de couvert, c'est très sec. So we were very dry for 4 weeks, and then right after I took this picture, we had heavy rain 3 days later. Donc il y a eu 4 semaines de sécheresse, et ensuite, 3 jours après la photo qu'il a prise, où il y avait les 100 degrés et 88 degrés au sol, des abados assez considérables. So in this section right here was no cover. This was cover, over there no cover. Wherever there wasn't any cover, I had some soil erosion to come. The slope is coming this way. See the soil came out? Et là, il voit après ces abados aux endroits où il avait pas de couvert végétaux, ben vous voyez là le cône voilà, d'alluvion, hein, qui a été charrié par toute l'eau qui a ruisselé dans le champ. Donc on voit bien là. Et aux endroits où il y a des couverts végétaux, ben voilà, il n'y a pas de,
n'y a pas eu de d'érosion. Hein. Et là, pas de couverts végétaux, on revoit encore quand même voilà, pas mal d'alluvions qui ont dégagé du champ sur ce chemin. It didn't matter if it was hot and dry or wet, I still have more problems where the control was, where no cover crop. Ouais. Que ce soit avec beaucoup d'humidité ou beaucoup de chaleur, à chaque fois, il y avait un effet tampon et une amélioration de l'écologie du sol à l'endroit où il y avait les couverts. And then we had three more weeks, no rain. Et ensuite, trois semaines sans pluie. And we started to see again the no cover plot dry. Et là, à nouveau, après trois semaines de sécheresse, on voit que l'endroit où il n'y a pas de couverts végétaux, ben voilà, le maïs, les feuilles s'enroulent, se recroquevillent, deviennent grisâtres. Et là où il y a les couverts végétaux, ben voilà, c'est les mêmes. Hein, mais... So this is again, we're looking at the effect of the cover crop. Now this was legume cover crops, to produce nitrogen because I was going to plant corn. And I'll just say... Okay, you can... Et donc, en fait, là, on revient quelques diapos plus tôt. Hein, je vous avais énuméré toutes les variétés de couverts végétaux qu'il avait mis. C'est toutes des légumineuses. Et donc là, le propos, c'est de voir quel est l'effet d'un précédent de couvert végétal de légumineuses sur l'apport d'azote et donc sur les rendements en maïs de la culture suivante. And I'll just reflect back on yesterday. Remember the question that I asked, the important question is, what are you trying to do? What are you trying to accomplish with your cover crop? Here, I was growing legumes because corn needs nitrogen. Now, if you're growing essential oils, you don't want nitrogen. Ouais. So you don't grow hairy vetch. Voilà, et donc, toujours se rappeler, quel est mon objectif? Et là, ben, l'objectif, c'est de faire pousser du maïs. Donc l'objectif, c'est de ramener de l'azote. Et donc, on choisit son couvert en fonction, mais que toujours... se mettre dans la démarche, quel est mon objectif? Et donc, par exemple, si c'est le cas de Bruno, pour faire pousser des cultures qui vont être destinées à la production d'huile essentielle, ben, on ne veut pas ramener un couvert riche en azote parce que ce n'est pas ce qui va être bon pour ce type de culture. Voilà, toujours. So when you think about using mixes, multiple species of cover crops, you have to think, how do I want to make my mix? It's like, I don't know if this works in France, but I think it does. It's like we call them cover crop cocktails. Yeah. How do you mix your cocktail? Yeah. You do what you like. Yeah. Okay, you have to do the cover crop cocktail. You have to make a cocktail of cover crops to accomplish what you want to do. Voilà, et il y a des situations où on voudrait peut-être apporter de l'azote, restructurer le sol, et donc voilà, c'est pas les mêmes couverts végétaux, donc voilà, il faudrait utiliser voilà des légumineuses pour l'azote, peut-être des graminées avec beaucoup de chevelures racinaires pour aider à restructurer, ou des pivots, et que donc, quand on se concocte son petit mix de couverts, ben c'est vraiment c'est comme si vous mélangez un cocktail, voilà, vous allez mettre des choses dedans que vous aimez, quoi, et voilà, dont vous avez besoin. So if you're planting something that needs nitrogen, you want to mix of species that have more nitrogen producing capability. If you want just ground cover, to cover the soil, maybe you're on a steep slope or something, you want to more have the grasses, or something like that that's going to cover the soil better. But when you make these mixes, every farm can be different. Because I have seen the exact same mix, or even on my farm, from one field to another field, look a little bit different depending on the biology that's in that field. So when you get to the advanced stages, You have to start somewhere on your farm, and then you have to change and tweak to accommodate your farm. Et que voilà, c'est ça qui est passionnant avec les couverts végétaux, c'est que même un même mix qui s'est concocté pour répondre à un besoin particulier d'érosion, mettons sur un endroit un peu sensible à l'érosion, il a un mix qui marche bien, ben le même mix dans un autre coin de ses terres qui n'a pas le même historique et pas la même biologie, la même vie des sols, il ne va pas se développer pareil. Donc voilà, il faut vraiment expérimenter, observer et réfléchir et adapter. Et tweak, c'est un mot américain qui est difficile à traduire en français. Tweak, c'est... Voilà, optimiser finement, quoi. Petit à petit, aller vers une optimisation bidouillée pour que ça s'optimise, quoi. Ajuster, voilà. One of the things that I've had to change on my farm is I have to switch away. Since my organic matter is increasing, I have residual nitrogen.
in the soil. If you know what I'm saying. Okay, if you understand that. You can explain that, and then I'll... Et une des choses qu'il a dû ajuster, c'est qu'au départ, il recherchait vraiment l'azote, il recherchait vraiment l'enrichissement en matière organique. Et on a vu dans ces diapos d'hier qu'il était passé de 2% à 5,1%. Et du coup, maintenant, il n'a plus les mêmes besoins. Au fur et à mesure que votre taux de matière organique augmente, les besoins et vos objectifs d'apporter quelque chose pour votre sol avec les couverts, ils vont changer au fur et à mesure que votre sol évolue. So I've invested in my soil over the years. Now it's paying me back a little more interest every year. Et que les investissements qu'il a mis dans son sol au fil des années commencent à le repayer petit à petit maintenant. But I've had to change because the increased biology as well. The earthworms and all the little critters that you can't even see with the microscope almost. So many more now. They eat it up quicker. They chew it up, eat up the... The biomass. Et ça, c'est une observation que j'ai entendue de pas mal d'entre vous déjà, c'est que au fur et à mesure qu'on augmente la vie du sol, le sol devient vachement plus vorace, quoi. Et les couverts végétaux, une litière qui est comme ça, quelques semaines après, elle est quasiment inexistante, alors que dans un sol mort, la même litière met beaucoup plus de temps à se dégrader et à se réincorporer dans le sol. Donc, la réactivité du sol et la capacité du sol à incorporer toute cette biomasse dans la biochimie du sol change au fur et à mesure que le sol change. Donc, les cycles des couverts changent. My suggestion is, when you start in this kind of a system, you're going to probably try to use more legumes as you go. As the years go by, you'll probably change to less legumes as you build up the organic matter in the soil, the biology, and everything. So that's just a transition you can expect. Maybe over 10 years. Et que généralement, on peut pressentir que quelqu'un qui s'embarque dans une aventure avec les couverts végétaux, sur une période de 10 ans, il va commencer vachement plus intensément avec des légumineuses et qu'au fur et à mesure que le temps s'écoule et que les sols repartent en vie et qu'ils s'enrichissent en matière organique, à faire une transition progressive dans les mixtures de couverts végétaux en diminuant petit à petit les légumineuses et en augmentant les céréales dans les mélanges parce que les besoins du sol changent. So I like to say the rules of the game change the longer it's played. Et que plus on joue à ce jeu, plus la règle du jeu change. And this is something you have to understand. And any farmer will do it if they're really, you know, into observing what's going on and everything, but I'm just telling you what to expect. And the other thing too is important. When you hear other people who have good success, and they may be a farmer and go around and speak, you have to learn from them. How many years have you been doing it? And also just try to understand where they're coming from, because you just can't take something and put it on your farm. Maybe you have to adapt it to your farm. Et que au cours de vos rencontres et de vos échanges, quand vous parlez à quelqu'un qui a eu une bonne expérience avec un couvert végétal ou un mix de couvert végétal et qui vous raconte, voilà, moi j'ai fait ça et ça marchait très très bien, et que vous essayez de comprendre si c'est quelque chose de peut-être judicieux pour votre situation à vous et vos objectifs à vous, de pas tout de suite dire je vais prendre ça, je vais faire pareil chez moi, mais vraiment de comprendre tout l'historique de comment cette personne en est arrivée là, depuis combien de temps ils font ça, où en sont leurs sols, et que on peut pas justement et de façon bénéfique s'approprier une recette de quelqu'un sans avoir tout compris, sinon on peut pas ça va pas marcher quoi, ou ça risque de pas marcher. Il faut vraiment comprendre tout l'historique. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Ouais, c'est bon. Okay, let's get back to our story here. So we took the yields off these here, and this is the control, meaning no cover crop. Now, to be fair to the test, I knew that these are all legumes. They're going to provide nitrogen. I added 75 pounds of nitrogen when I planted this corn, to be fair. Et donc ça, c'est la bande de témoins. Et comme il savait que toutes les autres bandes qui avaient des couverts végétaux, de légumineuses, allaient produire beaucoup d'azote, il s'est dit, quand même,
Ah, le pauvre maïs là que je mets dans une bande témoin où il n'y a pas eu de couvert végétal, je vais quand même lui mettre un petit engrais starter que les autres n'ont pas eu. Hein. Et donc là, à l'implantation du maïs, il y a eu 75 livres d'azote par acre. Bah, là, ça fait 75 kilos hectares, hein, c'est ça, c'est pareil. Ouais, ouais. So when we look at these yields coming across the top, this higher yield over here, you can see there was zero. This is zero. 0000000 75 pounds. Mm-hmm. But no cover crop. Ah ouais. Et que là, on regarde les rendements. Hein, et donc, tous avaient des couverts végétaux, sauf cette bande-là. Et aucun n'avait de l'azote, sauf cette bande-là. So, when we add all the numbers together, where we had the cover crops versus the control that actually had some nitrogen with no cover, we got 44 bushels per acre, and I can't translate that to... Oui, et que vraiment, si on prend les moyennes de tous, il y a vraiment une augmentation de, voilà, il y a une 30%... Well, you can see de 100 à 150, hein, à la louche, hein, de 100 à 150, voilà, 50% d'amélioration dans les rendements. There's a few other things I want to point out here on this data. Number one is where we have three legumes together, we get the highest yields. And then with the hairy vetch, also second to highest. I guess that was tied with the highest, but hairy vetch is like the best legume out there. And also the other thing, see, look where the mixes are. The mixes are very good. But for corn, now see, this is for corn. Because corn needs nitrogen. Hairy vetch is a preferred legume before corn. Voilà, pour les cultures de vente qui sont très gourmandes en azote, comme ce maïs, vraiment, un de ses chouchous, c'est la veste velue, parce qu'elle produit de l'azote. Elle produit de l'azote, et voilà, et encore... c'est le meilleur résultat, là. C'était la veste velue, là. Là, la veste velue, on la retrouve en combinaison avec d'autres. On la voit aussi... voilà, dans ces trois endroits-là, à chaque fois, c'est les rendements les plus hauts, c'est avec la veste velue. Là, c'est très... on peut compter dessus, quoi. This is where we added 120... We added more nitrogen, but the chart is almost the same. Yes, we helped their yields here. Et donc, là, il y a eu donc engrais starter seulement ici, couverts végétaux là, mais alors tout le monde a eu 120 kilos d'azote à l'hectare. But still, where the cover crops, we get higher yields. Et malgré les 120 kg d'azote à l'hectare, eh ben, les rendements sont encore nettement meilleurs aux endroits où on a les couverts végétaux. See, here's your nitrogen. Et avec I say, look, there's my nitrogen. And that's not urea. I don't know, urea is a form of 46% nitrogen, which looks like that. Ouais, ouais, c'est, ça ressemble presque aux granulés d'urée, hein, qu'on pourrait épandre. Et il dit à ses voisins, mais non, c'est pas des granulés d'urée, c'est mes usines à azote, les nodosités des légumineuses. I'll just briefly get through these results here versus where all the cover crop plots versus all the control plots with no covers, 32 bushel per acre difference. Mm. Et là, on a une différence encore très, très... voilà, c'est une diapo qui montre les moyennes des résultats expérimentaux. On voit de façon régulière une amélioration des rendements aux bandes qui ont eu des couverts végétaux comparé à celles qui n'en ont pas eu. So when some farmers, all they think about is the economics or the bottom line, and I say, well, not every year is going to be this good, but look, this year here, and I'll just tell you, paid for about 4 years of cover crops, right there. Mm. 4 years paid for the seed to do it. Mm-mm. So I tell them, you got 4 free years of cover crops now. If that's all they think about the money, look, it is possible. Et donc, ce qu'il dit aux agriculteurs qui sont un peu sceptiques par rapport aux couverts végétaux, c'est qu'évidemment, on ne voit pas toutes les années une différence aussi prononcée, bien que ça soit déjà ça des moyennes, mais que dans ce cas-là, l'argent qui est dégagé par cette augmentation des rendements par rapport aux endroits où il n'y avait pas de couvert des végétaux, avec cet argent-là, on a le capital déjà pour s'acheter les semences pour 4 ans de couvert. Rien qu'avec voilà, ce qui a été dégagé de cette différence de rendement. Que donc, voilà, ça it pays for itself, as we say. I don't know how to translate that. Okay. Ça s'amortit vite. Ça s'autofinance, voilà. Just a few things on when we start mixing
the seeds for cover crops together. We kind of talked about this, but... Should I read it straight in French? Yeah, if you could just read it, and if you have questions, you can ask me. Yeah. Et que donc, ça c'est des avantages de... Voilà, les avantages principaux d'avoir des mixtures de couverts au lieu d'avoir des monocouverts, c'est que bah, déjà, on se... on empêche la possibilité qu'il y ait quelque chose qui naisse pas bien, qui germe pas bien, parce que il y a un mélange et donc forcément ça empêche un certain type d'échec. Là c'est on peut maximiser les avantages qu'il pourrait y avoir dans chacune des espèces qui est utilisée dans le mélange, que ça produit smorgasbord, c'est un mot américain pour un plateau composé. On commande dans le restaurant, là il y a un peu de ça, voilà. Donc une diète variée, un menu varié pour toute la biologie du sol, voilà. Beaucoup de diversité dans l'alimentation. What do you mean by that? Crop rotation. Well, you know what steroids is? You get it. Bodybuilding. Yeah. Crop rotation, it advances it. Voilà. Et que donc là, c'est... It's meant to be funny. Et donc, c'est le dopage maximum peut être obtenu par les mélanges. I'll explain this one here a little bit, then you can... Okay, yeah. One of the things farmers ask, oh, if I'm mixing seeds, it's going to be very expensive. No, we can cut the seeding rates down of each individual species. It's a process that maybe we can talk about if you want to, but it doesn't have to be more expensive. That's my point here. It doesn't have to be more expensive. You put more species together, but then you have less of each individual species. That's what you were saying, 1 + 1 = 3 earlier, exactly. Right? Et que de temps en temps, les gens disent, si je fais des mélanges, ça va me coûter plus cher. Et moi, je l'avais déjà entendu dire, 1 + 1 = 3, hein, avec les couverts. C'est-à-dire que quand on les met ensemble, justement, on peut diminuer les coûts. Et ça, on reviendra dessus plus tard. Il ne veut pas vous donner trop d'infos ce matin. Voilà, on va revenir sur le sujet, mais ce n'est pas forcément plus cher de faire des mélanges. Au contraire. So this word diversity is really what this means. Ouais. Et que vraiment le mot à retenir c'est diversité. Yeah. Well, I'll show you a little bit here of here's my sunflowers. Voilà, il va nous montrer des mélanges. Alors all these things here, I plant. There's a calendula. You tried calendula? Donc voilà le souci. I don't know if I can see any in this picture. Phacelia? I was all excited about this because this is my first phacelia. You can't see it in there. Lupin? Yep. We haven't talked about that much. We've had difficult getting seed for that. It's difficult to grow the seed. But anyway, I just want to show you. This was for corn. It's 12 species. Et donc là, c'est un mélange. C'est un précédent pour maïs où il y a 12 types de couverts différents. Est-ce qu'il y en a qui veulent que je les retraduise tous? Ou ça va? Tu veux bien? Donc ça, c'est le radis, le tournesol, le lupin bleu, le pois d'hiver, la facélie, la févrole, la vesce velue, la vesce commune, la crotolaire, le fenugrec, le calendula et l'avoine. This was planted again after wheat. So it was planted on August 15th, more or less. August 15th. This would have been, look at the leaves in the tree, maybe this picture was taken maybe October 25. Donc c'était après un précédent blé, c'était semé ce mélange le 15 août. Et là, la photo est prise, il disait vu la couleur des feuilles, c'était fin octobre. When we're looking at making our cocktail, you want to think about, and again, you have to ask, what am I trying to accomplish? I would like to have something living in the spring, so there's something growing in the soil right away. I want to keep something alive, but I don't need everything living in the spring because I couldn't plant sunflower. Of course, I couldn't plant early because it needs to be warm to plant in it. So that's first part. Et que donc voilà, ça fait partie de la réflexion de quand on se peaufine son petit mélange perso pour répondre aux objectifs qu'on a. Et lui, ses objectifs là en particulier, c'était qu'il voulait vraiment qu'il reste quelque chose au printemps et il voulait pas que tout gèle pendant l'hiver. Mais il a pas fini.
So we need to think about that. So I want to take advantage of all the species I can because they have different attributes. So I'm trying to get the summer annuals, we'll call them, the summer annuals, and then the cool season, or you could, I should say it this way, warm season annuals, and then cool season annuals. Et donc il y a un mélange de d'annuels de saison chaude et annuels de saison fraîche, froide. So in this with this, we'll just use this as an example. The first ones are going to kill. First frost. Sun hemp's finished. Les premières qui vont être dégagées par les premières gelées. La crotolaire, déjà. Crotolaire très rapidement. Finished. First frost. Sunflower finished. Le tournesol. Calendula. You know how does that kill? Because I only planted one or two years. Les échanges étaient cette année. Et nous, on n'a pas encore gelé. Oui. Et she cannot tell because it didn't freeze yet. Okay. I don't know either because I didn't really look here. So then the next ones to kill would be when it gets down to -5, -7 Celsius. Tilidradish will kill. The common vetch will kill. Et that's ensuite, easy to kill. Et ensuite, après 2 ou 3 nuits à -7, hein, là, le radis et la veste vont commencer à. Bobbing, maybe it starts getting cold. Now, what would generally survive in my area? This Austrian winter pea will survive, ouais. and hairy vetch. Et il est quasiment sûr que, en tout cas chez lui, dans ces conditions, quoi qu'il arrive, à la sortie de l'hiver, même s'il était super rigoureux, il lui restera encore le pois et il lui restera encore la veste velue. So you remember? Et l'avoine. And the oats? Oh, no, they kill. They kill with the Tilidradish fowling speciality. They kill. I'm sorry, I forgot. Ouais. Yeah. So... They kill because they were overdeveloped by the time the frost came. Because you planted them early, so yes, that's true. Because when they're really short, they don't. That's correct. Bruno, la raison pour laquelle il n'y a plus d'avoine, c'est parce que comme il l'a semé tôt, du coup, elle est très très développée. Et l'avoine, quand elle est trop développée, s'il fait froid, là, c'est voilà. Pour qu'elle résiste au froid, il faut qu'elle soit encore très peu développée. This voilà. is what you have to experience in your own farm, but then it can vary from year to year. But you have to plan for the average. Et que du coup, bah évidemment, ça va changer d'une saison à l'autre. Mais quand on se concocte son petit mélange perso, et ben on pense aux moyennes climatiques qu'on a chez soi. Et puis après, d'une année à l'autre, ça va pas réagir tout à fait pareil. Mais de façon, bon, comme on a un mélange, on a une certaine inertie hein, qui est créée par la diversité où on voit à peu près comment ça va réagir. Hein. So in this example, I made this. Cocktail for corn. So I wanted to have the Austrian pea and the vetch growing in the spring to produce more nitrogen for my corn. That was intentional. Et que là, son objectif principal avec ce mélange, bon, c'est non seulement la diversité, tout ça, mais il est sûr qu'à la sortie, il aura le pois et la veste velue. Et comme son objectif, c'est de produire beaucoup d'azote, parce qu'après, son intention, c'est de mettre un maïs derrière, là, il est sûr que là, il va cartonner parce qu'il aura ses deux et que ses deux vont lui donner l'azote et que là, l'azote, c'est son objectif principal. This was my first attempt. This was 2011 at a we'll call it a mega mix, more than two or three. C'était la première fois qu'il faisait ce qu'il appelle un méga mix. Hein. C'est, d'habitude, il travaille avec 2 ou 3. Hein. Et ça, c'était 2011. C'est sa première expérience en 2011, donc relativement récemment, hein, avec un méga mix comme ça. So there was a problem with this mix, and I don't have a picture. I don't have a picture of it. You can't see. This here was almost 1 meter high, as you can see. When I went to plant corn, and I'll show you after it came up here, you can't see in here, but this soil is bare. Naked. Ouais. Et son problème, c'est bien que le couvert ait été haut de 1 mètre voilà, à un moment, ben, quand il a planté son maïs, il n'y avait plus rien sur le sol. C'était, voilà, le sol était nu. This crop, the earthworms eat everything. By the time I planted corn, ouais. The last week of April, ouais. Everything gone. Voilà. Gone. Première semaine d'avril, il restait plus rien de ce couvert. Les vers de terre avaient tout mangé. Il n'y avait plus rien. Another problem, I had too many of the tall growing ones, and my vetch and my peas did not survive because they were down in there. They didn't get enough light. No. Et dans ce mix-là, un autre problème qu'il a eu, c'est qu'il avait trop de compétition à la lumière parce qu'il y avait trop de tournesol et du coup,
sa veste et son poids n'ont pas eu assez de lumière et ils n'ont pas, voilà, ils n'ont pas produit autant qu'il espérait. So there was earthworms. You could see. I don't know what the word, the castings, the worm poop. Yeah, les turicules. You could see almost 100% soil covered. Ouais. Le, à la fin de ce couvert, le sol était quasiment, mais un géant turricule d'un mètre carré. En fait, tellement, ils se touchaient tellement les turicules les uns les autres que c'était juste incroyable. So that's a good thing, but also I didn't have any cover in my soil. Ouais. Donc voilà, et le revers de la médaille, c'est qu'il n'y avait plus de couvert, quoi. This was 2011. If I have time, I'll get you the picture now what I do. Maybe after lunch or something. I have pictures now. You'll see a tremendous difference. What I have done, reduce the seeding rate of some of these over-aggressive, some of these aggressive species. Et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a diminué la proportion des plantes qui sont gourmandes en lumière et qui bloquent la lumière pour les autres, déjà, c'est numéro un. And I also now put the warm season is sorghum Sudan grass for warm season, because it grows up this high and then it stays there. It's, the earthworms don't eat it as fast. That's the breakdown. Longer. Voilà. Et qu'il a choisi d'ajouter du sorgho Sudan grass. C'est Kourad qui m'a dit que ça vous parle. Voilà, c'est une sorte de sorgho Sudan grass qui sorgho fourragé qui là lui est vraiment assez coriace. Et va avoir une rémanence plus longue, même quand on a beaucoup de vers de terre très gourmands, la matière organique reste, dans son expérience à lui, plus longtemps présente. So I have rearranged this now, and now it's much better. It accomplishes what I want. I want to produce, I still want to produce nitrogen for my corn, but I want the soil still to be covered. Mm. And so I've been able to, I have a mix now that I can do that. But it essentially took 3 years to figure out. Now, okay. Et que, voilà, ça c'était son premier essai en 2011, et qu'il l'a optimisé au fil des années pour avoir son double objectif de produire de l'azote, là ça allait assez bien, mais aussi de couvrir les, voilà, d'avoir des sols encore couverts. Et en 3 ans, voilà, il a modifié les proportions et que maintenant il est arrivé à avoir quelque chose qui fonctionne et qui répond à ce double objectif. So, this was not a failure. But it was a learning experience. Et que pour lui, ça c'était pas un échec, mais justement un cas d'école super intéressant pour lui de voir comment est-ce qu'il peut, à partir de ce mélange empirique, l'optimiser et puis observer comment ça réagit et optimiser le mélange pour que ça réponde exactement à son besoin. You could plant this exact same mix on a soil that doesn't have as many earthworms, is not as biologically active, or has been tilled a lot. You could plant the exact same mix and it may be perfect for that soil. Et que une des raisons pour lesquelles ça n'a pas fonctionné comme il voulait, c'est que justement il avait un sol très, très vivant avec beaucoup de vers de terre, et que si ça tombe chez un voisin qui démarre en couvert végétaux qui n'a pas autant de vers de terre au mètre carré, que ce mélange aurait été super performant chez le voisin. Donc voilà. So this is a good example of, you know, you're in a meeting like today and you have your ideas in your head, you go home. You have to start somewhere, but then you have to fine-tune it for your farm. Et que tout ce que vous allez dégager comme connaissance autour de ces 2 jours, ben quand vous rentrez chez vous, il faut vraiment penser à vos objectifs, vos conditions pédoclimatiques à vous, voilà, l'état de vie de votre sol, où vous en êtes, et adapter tout ça à votre contexte. So, and we don't need to spend a lot of time, but just to show you, with zero nitrogen, we got a very good yield. I added different nitrogen rates there. We got a little higher, but this is a very good yield off that cover crop. Everyone said, how do you do that? No fertilizer. How can you do it? Well, partly, this is a different field than the other field that I showed you the data from before. And this has a long history of cover crops. There's a lot of history behind this. You can't first year, cannot do this. You cannot do this. Ça, c'est un essai de maïs qui a été planté avec zéro azote, mais sur une parcelle qui a une longue histoire avec des couverts végétaux. Donc, il y a un précédent excellent. Et voilà, tous les agriculteurs, tous ces voisins se disent, mais comment tu as un maïs pareil avec des rendements pareils en mettant rien en azote, quoi. So it was kind of interesting, a little story here. We put out a press release about this, and it went all over the United States. Farmer grows corn without fertilizer. And I had some farmers call me up and say, that's not true. You cannot do that.
Et donc, il y a eu une petite conférence de presse hein, au sujet de ces résultats expérimentaux. Et puis alors là, c'est parti dans toute la presse américaine. Et il y avait des gens qui l'appelaient au téléphone en disant « Mais c'est impossible, t'es un menteur, c'est pas possible, côté du maïs comme ça. » But then one farmer, I said, « Well, I use cover crops. » Well, he said, « That's not true, you didn't use nitrogen because you used cover crops to grow nitrogen. » I said, « Okay, that's correct. » So then I changed « No synthetic nitrogen. » Okay, whatever. Et donc il a corrigé parce que quelqu'un lui a dit oui, mais il faut pas dire que tu l'as fait sans azote, puisque comme tu avais des couverts végétaux, tu avais de l'azote. Donc ils ont changé le titre de l'article avec voilà, un rendement de temps en maïs sans azote de synthèse. So anyway, I'm not sure if I could do this every year. For me, on my farm, the way I farm, 40-50 pounds of nitrogen is all I need to do for maximum production. That's what I've experienced. Et que, bon, là, c'était quelque chose qu'il a fait pour s'amuser. Il ne ferait pas ça tous les ans. Mais que, par contre, lui, maintenant, à force d'utiliser des couverts végétaux, il se rend compte qu'avec 40 à 50 unités d'azote, rajoutées en plus hein, des couverts végétaux, ça lui suffit pour avoir des rendements maximales. Après, ça ne sert à rien d'en rajouter plus parce que, voilà, il est à l'effet plateau. Otherwise, it's about 200. Huh? Yeah, that's exactly what I was going to say. That's the normal recommendation. The normal is 200. Alors, juste pour les maraîchers qui d'entre vous qui sont pas au fait des pratiques culturelles du maïs, c'est que si on n'utilise pas du tout de couverts végétaux, il faut quand même 200 unités d'azote pour le maïs, hein, pour avoir ces rendements-là. Donc, ce sont des rendements exceptionnels. Ce sont de bons rendements. C'est combien le rendement du maïs? Oui. J'ai calculé 190 boisseaux par acre, ça fait à peu près 115 avec un peu d'hectare. Ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est bon. C'est bon rendement. So I'm using about 20% of a recommendation from like a university. Like if I just call up a university and say, how much nitrogen should I apply for my corn? And they would say, well, how much do you grow? I say, well, I can grow 200 bushel. Okay. They say you need about 200 pounds of nitrogen. Ouais. That's what they would tell me, without asking any questions. Et que donc, voilà, s'il appelait n'importe quel technicien agronome dans son département, en disant, voilà, je veux faire pousser du maïs, combien je mets d'azote, il lui dirait, mais 200 unités d'azote. Tout le monde lui dirait ça, voilà, sans avoir été voir ses couverts et tout ça. Et que donc, le fait d'avoir mis des couverts, ça lui permet d'utiliser que 20% de la dose recommandée en agriculture conventionnelle sans couvert pour ce type de culture. Donc il diminue son besoin en azote de synthèse par 80%.